Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et Fluffy, et on vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau combat gigantesque, titanesque on peut même dire. Nous allons en effet aujourd'hui à nouveau affronter un titan dans Minecraft. Le précédent titan que nous avons affronté était le titan araignée, et je vous avais posé donc une petite question par rapport au titan suivant que je comptais affronter du coup dans cette vidéo. J'ai lancé un sondage, vous avez été donc 873 à voter pour le titan Enderman et seulement 200 à voter pour le titan Blaze. Du coup aujourd'hui, bah, nous allons affronter le titan Enderman, qui est donc l'un des plus puissants titans qui existent dans ce mode. Je vous rappelle qu'il y a plein de titans avec chacun des monstres qui existent dans Minecraft. L'Enderman étant l'un des plus puissants, donc on va laisser Fluffy dans sa petite niche ici. J'ai peur que malheureusement ça se passe pas super bien pour lui. À chaque fois il y a toujours des petites complications parce que les titans sont tellement grands et tellement puissants qu'ils arrivent à détruire mon île malgré le fait qu'elle soit en hauteur et super loin de la zone de combat, qui est donc ici juste en bas. Donc on va s'équiper bien entendu de tout ce qu'il faut pour affronter donc ce fameux Titan Enderman, en sachant donc que je vais directement cette fois-ci équiper l'armure infinite qui me permet donc d'encaisser les dégâts de façon assez incroyable et également de voler. C'est vraiment le truc le plus puissant avec cette armure. On va également prendre, alors je vais avoir plusieurs épées pour ce combat, donc on va prendre l'Absence Sword qui fait 1500 dégâts, celle qui fait 1 milliard de dégâts et celle qui fait des dégâts à l'infini, hein, toujours plus de dégâts. On va prendre bien sûr l'arc avec nous. Et on va prendre les tourelles, je sais pas si elles nous serviront dans ce combat, on va en mettre une ici, on garde les autres de côté. Et bien entendu, il nous faut de quoi invoquer l'Enderman. Donc on a bien sûr le sérum, je vous rappelle d'ailleurs la recette de ce craft, je vous le montre pas forcément à chaque fois. Donc c'est le mode titan et avec un craft assez simple qui demande malgré tout une Nether Star, vous obtenez deux sérums et avec ces sérums, peu importe le monstre sur lequel vous cliquez, il se transformera en énorme titan. Attention d'ailleurs, c'est parti. Je crois que l'Enderman... Je crois qu'il a esquivé mon sérum. Non, mais attendez, il a esquivé le sérum. Oh, le fail. Je disais donc... C'est parti. Ah, ça y est. Oh là là. Quoi, il fait nuit? Attendez, ça a carrément passé la nuit, quoi. Carrément, ça a changé le temps. Mais quoi? Attendez, il y a même des Ender Dragons. Attendez, non, mais là, ça devient du délire. Je me suis pas vraiment renseigné sur ce combat. Je sais simplement que la légende raconte que si vous regardez dans les yeux du titan Enderman, vous pouvez mourir rien qu'en croisant son regard. Mais je ne savais pas qu'il invoquait des Ender Dragons. C'est quoi ce délire? Attendez, mais... Wow. Déjà, il a l'air gigantesque. Je crois que c'est l'un des titans les plus grands. Regardez-moi ça. Il est encore en train de grossir, qu'il est énorme. Limite... Oh, limite sa tête... Oh là là, va atteindre... Oh, regardez-moi ça, c'est du délire. C'est du délire. Le manoir, il va faire la taille du manoir, limite. Wow. Ok, je me retrouve expulsé dans la stratosphère. Je ne sais pas où je suis là, je viens de me prendre une tonne d'explosion dans la figure. Ok, on est en train de chuter. Vous entendez ce bruit? Vous entendez ce bruit? Mais non, mais regardez-moi ça! Oh, il est géant, il fait la taille du manoir! Il fait la taille du manoir, les amis, c'est incroyable, il a la tête dans le manoir. Oh, je crois qu'il a attaqué Fluffy. Oh non, il a creusé un trou carrément dans l'île. Mais non, mais attendez, mais quoi, à chaque fois que je me prends des éclairs, oh, il m'envoie dans l'espace. Ok. Je sais pas exactement ce qui fait ça. Je crois que c'est parce que je croise son regard, justement. Bon, il m'a tranquillement envoyé à plus de 1500 blocs de hauteur, hein, dans le plus grand des cas. Donc on va essayer de continuer d'esquiver un petit peu. Ah, c'est ça, regardez. C'est cette boule là. Si on s'approche trop de cette boule, ça nous expédie dans l'espace. Je sais pas exactement ce que c'est, ça a l'air vachement puissant. Et regardez-moi ça, il a invoqué... Il y a combien d'Ender Dragons là autour de lui? Non mais c'est du délire. Attendez, on va essayer de tuer les Ender Dragons pour s'en débarrasser. Enfin, est-ce que j'arrive ne serait-ce qu'à m'approcher suffisamment pour les tuer? L'avantage étant qu'ils n'ont pas de quoi se soigner, hein, ces Ender Dragons. Okay, est-ce que je peux... J'arrive même pas à le tuer! Oh non, il est en train... Non, c'est bon, il est encore en train de m'expédier dans l'espace. On peut essayer avec l'épée qui one-shot, voir si j'arrive à tuer... Il y en a quoi? Il y a une dizaine d'Ender Dragons, quoi! Ok, j'en ai eu un. J'en ai déjà eu un. Ok, on se débarrasse de ces sbires. Est-ce que je peux taper là-dedans, là, pour envoyer... Waouh, ouais, non, faut vraiment pas s'approcher de cet orbe. Ok, j'ai eu un deuxième Ender Dragon. Ça se passe plutôt bien. Non, mais attendez, et ça par contre, c'est quoi? Il y a des cristaux qui flottent aussi. On va essayer de les casser. Ouais, je pense que ça soigne. À mon avis, ça soigne le gardien, ces cristaux. Ok. Est-ce que j'arrive à me débarrasser encore de quelques Ender Dragons? À chaque fois, ils s'approchent de moi là, ils me font prendre. Alors, non, pas des dégâts. Waouh. Par contre, ils m'expulsent à chaque fois. Vous vous rendez compte? Ah, par contre, l'Ender Colossus. Ah, quand j'ai cassé son cristal. Regardez, il a pris des dégâts, peut-être qu'on peut refaire ça. Yes, regardez, il a encore pris des dégâts. On a trouvé son point faible. On a trouvé le point faible, il faut taper les cristaux. Ok, par contre, peut-être pas forcément tous. Ah, si, si, si. J'ai l'impression qu'il a pris des dégâts là aussi. Du coup, c'est vachement pratique de voler dans ce combat, même si ça reste quand même particulièrement
compliqué de l'approcher. Ok, il m'a encore expédié dans la stratosphère, c'est pas grave. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 Under Dragons, hein, dans le plus grand des calmes, à côté du titan, qui encore une fois, regardez-moi ça, fait la taille du manoir, le manoir qui a quasiment explosé. Voyons voir si je le regarde dans les yeux, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, je vous le confirme, vous avez vu ça? J'ai regardé le titan dans les yeux, et ça m'a expédié... Oh là là, dans le ciel, j'ai encore regardé dans les yeux sans faire exprès, mais je fais pas exprès, les amis! C'est trop... Ah! Au secours! Attendez, je suis à combien de blocs, là? Je suis à 4000 blocs de hauteur. 5000. Ok, très bien. Il m'a envoyé à 5900 blocs de hauteur. Vous vous rendez compte? Le temps de retoucher le sol, il va falloir 2 ou 3 minutes avant de toucher le sol. Regardez, Y! Regardez Y qui chute là petit à petit, ça veut dire que je suis en train de tomber finalement, mais ça va me prendre tellement de temps, 6000 blocs de hauteur. Mais la blague, mais jamais je retrouverai le sol. On va tenter de lui mettre des coups d'épée du coup, on n'a pas essayé, on a vu qu'il avait un point faible au niveau des cristaux. J'ai pas essayé de le taper. Ah, j'ai l'impression qu'il prend... J'ai cru voir quelques dégâts arriver, on va essayer avec l'épée qui fait 1 million de dégâts. Voyons voir, est-ce que si je m'approche peut-être de son ventre... Là je vois pas sa barre de vie... Là je m'approche un peu trop de sa tête à mon goût. Ah voilà, on voit sa vie, ok. Ah oui, regardez, j'ai réussi à le taper. Il craint donc les dégâts au corps à corps, hein. Regardez, wow, il est en train de faire une chute incroyable. Il a encore invoqué des dragons, je crois, malheureusement. On va lui remettre un coup, bien sûr. Notre but c'est quand même d'essayer de le buter. Ok, il a repris des dégâts. Wow, il va nous tomber dessus, vous imaginez la taille énorme de ce truc. Vous imaginez un truc comme ça qui vous tombe dessus. Hey, il encaisse vachement bien, hein. On va essayer de casser les cristaux là, qu'ils soignent un peu là-haut. Ils sont particulièrement hauts. Waouh, il est encore en train de lancer ses boules qui font des éclairs. Regardez, les cristaux de soins. On peut essayer de l'avoir. Ouais, parfait. Il est quasiment mid-life là. Il y a un dragon, on peut essayer de lui mettre quelques flèches aussi. Il y a encore 2-3 cristaux à côté là. Ah, mais il bouge, c'est super dur de les viser. Ok, parfait, j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Le premier a explosé et a fait exploser le deuxième. Ah oui, d'accord, donc il a carrément... Je crois que c'est en retombant, regardez tout ce qu'il a détruit au niveau du sol, quoi. C'est délirant. Allez, on peut essayer de lui mettre encore un coup ou deux. Pour l'instant, j'arrive pas à le toucher. Ouais, parfait. Il est dans le ciel. Waouh, c'est quoi tous ces trucs qui tirent des boules de feu, là? Est-ce qu'il craint les flèches, aussi? Pas vraiment. En tout cas, on l'a mis mid-life. Pourtant, c'est un arc très puissant, ça, hein, celui que j'ai dans les mains. Il fait beaucoup de dégâts. On peut essayer d'invoquer quelques tourelles qui vont nous aider également dans le combat. Voilà, j'en ai invoqué 3, elles vont me permettre de tuer les Endermen qui squattent un peu partout. Ok, c'est parti. Je l'ai encore expédié dans le ciel. Parfait, regardez. Il a perdu plus de la moitié de sa vie. Wow, là, il a ouvert grand la bouche. Je crois qu'il est pas content du tout, hein. Encore. Visiblement, il a moyen de faire une attaque qu'il a pas forcément fait. Il peut mettre une sorte de brouillard autour de lui. Et ce brouillard vous fait des dégâts. Je crois que même si vous êtes en créatif, le brouillard fait des dégâts. Là, il l'a pas fait. Donc là pour l'instant il est plutôt bien. Waouh, regardez-moi l'enfer. Regardez-moi tous ces Endermen qui se téléportent là en bas. C'est la panique, la moitié des Endermen sont en feu. En sachant qu'il a également un autre pouvoir, l'Ender Colossus. Il arrive à corrompre tous les Endermen autour de lui. Parce que normalement les Endermen ne vous attaquent pas tant que vous ne les regardez pas. Là, tous les Endermen seront vos ennemis une fois que l'Ender Colossus sera à côté de vous. Et là regardez-moi ça, il y a des boules de feu dans tous les sens, les Endermen qui se tapent dans tous les sens, le décor qui a totalement explosé, le manoir qui a totalement explosé. Il est pratiquement mort. Notre cher ami, on peut tenter de lui mettre un coup d'épée en plus, il a pris des dégâts là. J'ai l'impression que les tourelles Wither font de l'effet. Waouh, il est quasiment mort. Il a plus que quoi, une dizaine de PV. Il est pas mort encore, hein. Il est en train de se faire soigner. Faut que j'aille détruire le cristal là-haut. À mon avis, ça nous permettra de l'achever. Je pense qu'on l'a eu. Je crois qu'on l'a eu, les amis. Le cristal est mort, sa source de soins a été détruite. Regardez-moi ça. Il s'allonge et il s'écrase dans le sol. Waouh, il a même perdu la couleur de ses yeux. C'est vachement réaliste. Mais c'est trop bien. C'est trop bien fait. Genre, sa puissance est éteinte, il a perdu son pouvoir. Vous avez vu la taille de sa bouche? Attendez. Moi, je me mets juste dans sa bouche, là. Vous puissiez voir. Ah, il est en train de perdre de la taille. Non, reviens. Non, mais voilà, j'ai eu le temps de me mettre un petit peu à côté. Vous avez vu ça, il était gigantesque. Waouh, il y a une pluie de... Waouh! Une pluie de... Oh, d'expérience. Oh, je suis niveau combien, là, dans le plus grand des calmes? Voyons voir. Ah d'accord, donc là je suis niveau 160. Quoi? Attendez mais... Ah j'ai eu... Ah tiens, c'est la première fois que j'obtiens un objet en tuant un titan. Mais non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette source infinie d'expérience. Je suis actuellement au niveau 330, 340, 350. Ça ne s'arrête pas les amis. Il a looté tellement de choses. Il a looté de la bedrock, il a looté des blocs de diamants. Ça rentre même pas dans l'inventaire, hein, tout ce qu'il a looté là. Non mais c'est incroyable, je suis niveau 430.
Et ce n'est pas encore fini. 457. Il y a encore de l'XP là-bas. Je suis niveau 477. Mais non, mais sérieusement, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a looté des trucs dont je vous ai très peu parlé, finalement. En dehors des 45 œufs de dragon qu'il m'a donné, hein, dans le plus grand des calmes. On va s'écarter un petit peu parce qu'il y en a un deuxième qui a été invoqué là-bas, là, qui est en train de grandir. Il m'a donné en fait ces fameuses ressources, et ces ressources en fait permettent de faire toutes ces armures ultra cheatées, ces armes ultra cheatées que je vous montre en fait depuis le début du mode. Donc là notamment, il y a looté par exemple des Void Essence qui permettent de faire les épées en absence. Donc voilà, il y a moyen de se stuffer comme ça en tuant les titans. Donc en fait, en théorie avec ce mode-là, il faut tuer les titans les plus faciles, récupérer ces loots-là, et ensuite devenir de plus en plus fort pour affronter les titans de plus en plus forts. Bon, moi c'est vrai que je fais ça un petit peu à l'arrache, en mode je me donne des armures ultra pétées et c'est parti pour le fight. Mais voilà, en théorie c'est comme ça qu'il faut faire. Et bah finalement ça aurait été un très très beau combat. Franchement, l'animation du titan est assez incroyable. Le coup des invocations de dragon, mais ça je m'y attendais pas. C'est tellement pété, c'est du délire. Oh là là, et voilà, je l'ai encore regardé dans les yeux. Ok, ça va, il m'a pas envoyé trop loin. Et vous voyez qu'encore une fois, c'est l'un des titans les plus puissants. Il a détruit énormément le décor autour de lui. Ah, le manoir, là, j'en parle même pas. À chaque fois, faut tout reconstruire, c'est pas possible. C'est les dragons aussi, hein, bien sûr, qui cassent le manoir en passant à travers. Et écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser ici. Je me laisse finalement le choix du prochain titan que j'affronterai en vidéo. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont plutôt sympathiques. Peut-être que je ferai un titan un poil moins puissant aussi pour varier un petit peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici la prochaine, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.